Allô? J'ai à quel niveau, frère? J'entre à l'hôtel dans 10 minutes. Je suis plus loin de là. Mais tu sais que t'es le chef des retards. Et ce serait un gros gâchis pour une occasion comme celle-ci. La conférence va débuter à 14h30. Et il est 14h, frangin. Et puis... Je vais prendre un café au restaurant de l'hôtel en attendant. D'accord. Il n'y aura pas de retard. Tu me racontes tout à la fin. Ok, ciao. Ciao. Tu me raconteras tout au paradis. Il est à 0 pas de l'hôtel. Regardez juste autour de vous. Ouais, je le vois. Salut les garçons! Salut Caris! Salut Caris! Dis Pierre, qu'est-ce que t'as depuis ce matin? Tu fais une drôle de tête. Rien de spécial. J'ai juste eu une nuit très courte. Ah oui? C'est pas ce que je vois dans tous les cas. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Rien du tout. J'ai dit juste que... T'as une tête de meurtrier. Va te faire foutre! Voilà. C'est ce sourire que j'aime voir sur ce visage de dur à cuire. Hé, hey, ça respire la joie par ici. Vous partagez? Ah non, ma belle. C'est... Une affaire de mec. Tout à fait. Pierre, t'es toujours pas habillé? Désolé, ce sera sans moi aujourd'hui. On se voit plus tard. Hé, Pierre! Écoute. On t'aime beaucoup. Surtout, pas de bêtises. Je vous aime aussi.
Est-ce qu'il va bien? Je l'espère. T'es prête? Ouais. On va mettre la musique. C'est ici? Oui, boss. Ça va aller, Caris? Laisse-moi voir ça. C'est rien de grave. Juste un petit massage et tu t'en seras remise. Lève-toi. Doucement. Doucement. Puis-je t'aider, mon enfant? Non, désolé. C'est une erreur. Excusez le dérangement. Si tu es venu ici de toi-même, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Si le Seigneur a choisi de te conduire jusqu'à sa maison, c'est pas pour rien, mais pour que ça concourt à ton propre bien. Et pour cela, tu dois lui ouvrir les portes de ton cœur, comme il t'a ouvert celles de sa maison. Tu as des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Mais qui, mieux que notre Seigneur, est capable de les éradiquer de façon définitive? Personne. Personne. Viens, mon enfant. Je t'écoute. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché inconsciemment. Le Seigneur t'accordera son pardon, parce que non seulement il est bon, mais aussi parce que tu as choisi le chemin de sa maison. Mais quel est ce péché commis inconsciemment? J'ai fait un cauchemar dans lequel j'ai livré mon ami pour de l'argent. Aidez-moi, mon père. Ne t'en fais pas.
Les rêves ne dépendent pas de notre volonté. Mais apparemment, notre Seigneur voudrait te prévenir de quelque chose de grave qui pourrait t'arriver, soit à toi, soit à ton ami. Et comment le savoir? Ne cesse jamais d'écouter ton cœur. Quel est le prix de votre amitié? Trouve la réponse à cette question et tu sauras quoi faire. Que l'Esprit de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'accompagnent. Va en paix, mon enfant. Tu penses qu'il va venir, Pierre? Je ne sais pas. Attendons encore un peu. Ok. Hey, tu te souviens de cette chanson? Oui, c'est celle qu'on avait dansée lors de notre dernière prestation. Exactement. Et si on la refaisait? Oui, pourquoi pas. C'était super. Tiens, voilà Pierre qui appelle. Non, oui, c'est bien lui. Salut Pierre. Salut frère. Je suis avec Caris là. Salut. Salut Caris. Dis Pierre, où tu étais te caché? Ça fait un moment qu'on t'attend. Oui, je sais, désolé. C'est pourquoi je t'appelle. Ok, alors raconte. Écoute, y a-t-il un souci? Il faut absolument que j'aille la voir. Si on peut remettre demain notre rendez-vous, ça m'arrange. Ok, ça marche. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, Yati? Hey, Caris! Pierre dit qu'on se verra uniquement demain soir. Il a un truc à gérer avec Yati.
Et c'est qui a-t-il? Sa nouvelle petite amie. Tu sais, il s'est séparé de Sandra et il lui faut bien une nouvelle compagnie. Tu m'écoutes là, Caris? Oui, désolée. J'ai cru voir quelqu'un. On peut s'en aller si tu veux. Oui, c'est mieux. Ok, allons-y. Salut, Caris. Comment vous connaissez mon nom? Et en plus, vous êtes dans les toilettes pour femmes. Oups, désolé. Je n'ai pas vu écrit toilettes pour femmes. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Quelle question! C'est pourtant évident. C'est toi que je... Ne me touchez pas! Sinon, je vais hurler. Vas-y. Ne te gêne pas. De toute façon, personne ne pourra t'entendre. Écoute-moi bien. Aucune femme ne me dit non. Et ce que je veux, je l'obtiens.
Caris? Caris? Prononce un mot et il le payera. Je ne vais quand même pas abîmer ce beau visage. Personne ne dit non à nous deux. Ne l'oublie pas. Caris, ça va? Oui, tout va bien. J'ai bientôt fini. Je t'attends à ma table. Est-ce que ça va, Caris? Oui, ça va. J'ai juste un peu mal à la tête. Je ne suis pas habituée aux alcools. Ok. Prends ton temps. Tu te sens mieux? Oui, je crois que ça va aller. Tu sais, peut-être qu'une danse t'aidera à mieux te remettre. J'aime bien l'idée. Ok, allons-y. C'est qui celui-là? Il se fait appeler Ching dans le quartier. On verra bien qui de lui ou de moi sera son nom. Allons-nous en d'ici. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Allons-nous en.
Ching Yue. Où allez-vous comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et la facture? Je m'assois et je ne regarde que toi. Ah. Tu me regardes en retour, droit dans les yeux. Mais t'as aucune idée que t'es la raison pour laquelle je pleure. Je pense constamment à toi, mais ton cœur appartient à une autre. Et je sais qu'une relation avec toi ne débutera jamais. Une triste et blanche nuit de savoir que t'es pas là pour moi. When you love someone who loves someone else, someone like you, someone like you. When you love someone who loves someone else, someone like you, someone like you. You have taken my heart, you have broken my heart, but I'm still in love despite it all. You have taken my heart, you have broken my heart, but I'm still in love despite it all. Sometimes I wish I were someone else, 'cause my life is on mission supplement. I don't know what more can I do. My world's dying because of you. I've been all my life to have someone. Bienvenue. Je veux juste t'offrir mon aide. Votre aide? Je ne me souviens pas vous avoir demandé de l'aide. Ok. Pas besoin d'aide. T'es libre. Someone like you, someone like you. When you love someone, you love someone else. Someone like you, someone like you. You have taken my heart, you have broken my heart, but I'm still in love despite love. C'est pas de la contrefaçon. Ce sont des pieds de banque. Merci. Je vous rembourserai avec les mêmes types de billets. Ne t'inquiète pas pour les types de billets. Tu vas me rembourser à ma façon. Par ailleurs, tu pourras gagner beaucoup plus. Si tu le souhaites. C'est-à-dire? Assieds-toi et on en discute. Apportez-lui un verre. You have taken my heart, you have broken my heart, but I'm still in love despite it all. You have taken my heart, you have broken my heart, but I'm still in love despite it all.
Wow. Écoute, Pierre. D'abord, tu te calmes. Que je me calme? C'est quand même bizarre d'entendre ça de quelqu'un qui est incapable de le faire lui-même. Tu as raison, Pierre. Je n'aurais pas dû partir comme ça ce soir-là. Et je te demande pardon. Je te demande pardon, frangin. Tu peux être désolé. Ça, je te l'accorde. Mais Pierre! Tu te fous de ma gueule? Je viens jusqu'ici te reprocher de ce que tu m'as fait. Et tu continues à faire ton sport. Maintenant tu viens boire devant moi. Tu vas crever. De soif. Non mais Pierre! Qu'est-ce que tu fais Pierre? Ne fais...
Désolé, monsieur. Je ne peux pas. C'est assez complexe. Tu n'y es comme un frère. Je ne peux pas. Jeune homme, dans ce genre de tir, il n'y a pas de chemin retour. Tu peux rester avec tout l'argent, mais sache que dans les 72 heures, le boulot doit être fait. Sinon, j'ai bien peur que t'arrive quelque chose, de la pire manière, avant ton cher Tignu. Avec le double de ta récompense, je pense que tu auras les idées beaucoup plus claires. Surtout, pas de bêtises.
Toi, j'aimerais savoir certaines choses. Caris, enfin tu es là. Ça fait un moment que tu n'es pas venu au club. Comment tu vas? Tu m'expliques ce qui s'est passé l'autre soir, Ching? Je vous passe à Caris. Je crois que c'est toi qui as des choses à me dire. Mm-hmm. De quoi tu parles? Arrête ce petit jeu. Il a déjà trop duré. Écoute, tu sais que tu peux m'en parler si tu as un souci. Oui, je le sais. Bien, viens avec moi. Assieds-toi. Écoute, Caris, depuis la nuit dernière, mon petit doigt me dit que ce n'était pas un hasard si j'ai croisé ce type à l'entrée des toilettes. Je me trompe? Non. Je savais. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Dis-moi, Caris, qu'est-ce qu'il te veut? Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Comment tu vas? Mal, mon père. Pourquoi ça? Vous aviez raison. Sur quoi? Sur tout. Écoute, je ne saurais comment te dire si tu n'es pas clair dans tes dires. Je voudrais vous parler, mon père. Ce serait mieux au confessionnal. Je t'écoute. Pardonnez-moi, mon père. Car je suis sur le point de pécher par action et par omission. Tu ne l'as pas encore fait et c'est une bonne chose. Mais ça ne saurait tarder. Pourquoi par action? J'ai été engagé pour empoisonner mon meilleur ami. Et pourquoi par omission? Parce que pour le faire, je dois oublier qu'il est mon ami. Si tu sais qu'il est ton ami, pourquoi es-tu ici? Justement, je n'y arrive pas. Quand bien même je suis près de lui. Et le pauvre, il se doute de rien. Pourquoi se douterait-il de quelque chose? Puisqu'il t'aime. Et il n'a aucune raison de se méfier de toi. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Je l'aime. Je l'aime. Comme un frère. Alors rappelle-toi de ceci. Tu ne tueras point. Point. Ça signifie en aucun cas, mon père.
mais vous aussi, vous tuez de temps en temps. Hein? Les moustiques, les mouches, et peut-être des animaux pour vous nourrir. T'a-t-il donné une raison de lui ôter la vie? Non. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas une raison du tout. Sauf si tu es capable de créer un être humain toi-même. J'ai besoin d'argent. Quel est le prix de votre amitié? As-tu pu y répondre? Et personne comme lui y en aura toujours. S'il meurt aujourd'hui de la main des hommes, d'autres comme lui existeront toujours. Et il en sera ainsi pour l'éternité. Comment on t'appelle? Pierre. Eh bien, Pierre, rentre chez toi et lis l'histoire de Pierre. Quel est le prix de votre amitié? Et personne comme lui y en aura toujours. Allô? C'est Nido. Je sais. Est-ce que le boulot a été fait? Pas encore. Et pourquoi? Pourtant, tu as déjà été payé à l'avance. Je n'arrive vraiment pas à le faire. Même y penser, c'est très difficile. Pourquoi tu penses que j'étais payé à l'avance? Parce que tu es le mieux placé pour le faire. Et de la plus belle des façons. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne penses pas ce que tu as déjà reçu à l'avance. Je pense que ça ne me motive vraiment pas. Il se peut que tu en veuilles plus. Et j'ai déjà anticipé. Je ne pense pas que ce soit juste une question d'argent. Alors, souviens-toi de ceci. Tigneux est un type méchant. Tu penses que je t'ai payé juste pour voir quelqu'un mourir? Rends-toi compte qu'il s'enrichit sur ton dos. Regarde où il vit par rapport à toi. Pourtant, c'est toi qui organises les choses dans la salle de sport. Tu crois que tu ne mérites pas mieux? Il gagne énormément d'argent et vit comme un roi. Pendant que toi, tu continues à polluer le décor. Tu es bien plus intelligent que lui. Mais pourquoi on doit toujours parler de lui en premier? Tu es bien plus beau que lui. Mais il a toujours rêvé d'avoir de plus belles femmes que toi. C'est pourquoi il te maintient dans la misère. Il utilise ses moyens financiers pour se sentir puissant. Si tu veux que je te dise, le problème que tu as eu avec ta petite amie et qui vous a séparé n'était qu'un prétexte. La vraie raison est qu'elle avait honte lorsqu'elle te regardait dans les yeux. Puisqu'ils ont couché ensemble une fois. Mais tu n'étais pas au courant. Actuellement, il lui prépare un voyage en Europe. Où il va la voir. Après t'avoir humilié, il va simplement te remplacer et te tourner le dos.
Il a plein de côtés sombres. Avec plein de gens. C'est pourquoi je veux le voir crever. En passant, je t'ai fait une nouvelle surprise dans ton compte bancaire. Bonne méditation. Bonsoir, frangin. Bonsoir, Pierre. Quel honneur de recevoir ton appel après tout ce temps. J'attendais quelques jours pour t'appeler à un moment où je suis sûr que tu m'as vraiment pardonné pour l'autre soir. Mais tu appelles avant. Je te demande pardon. Encore une fois, cousin. Ça va, ça va. Je tiens également à m'excuser pour ma réaction par la suite. C'était vraiment un peu démesuré par rapport à ce qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup, frangin. Je voudrais t'inviter demain samedi, si ça te dit, pour qu'on s'amuse un peu, histoire d'oublier tout ça. Vraiment? Sans blague. On peut se voir à 20h. Même endroit que l'autre soir. Pourquoi pas aller ailleurs? Histoire de me faire découvrir de nouvelles choses. D'accord. Je te dirai le lieu d'ici demain matin. Ok. Merci beaucoup pour l'invitation, frangin. Pas de quoi. À demain. À demain. Allô, Caris? Bonjour, Ching. Guess what? Dis-moi, champion. Je crois que ça avance déjà dans la vie de Pierre. Pour la première fois, il m'invite à boire un verre. Tu imagines ça? Il a gagné au jackpot ou quoi? Dis pas ça, Caris. Tu sais, Pierre est quelqu'un de bien. C'est juste que ça a toujours été assez difficile pour lui dans la vie. Je prie chaque jour pour que ça marche de son côté. Je suis fier qu'il puisse avoir la possibilité d'inviter quelqu'un à prendre un pot. J'espère que c'est lui-même qui t'invite. Je l'espère moi aussi. Mais il m'a juste dit qu'il m'invite pour qu'on oublie la situation de l'autre soir. Et puis, s'il n'a pas une belle surprise à nous faire en rapport avec un bon job? Je crois que je serais tenté de payer la facture, même si c'est lui qui invite. J'imagine. Tu as toujours été là pour lui. Et parfois, tu oublies même tes propres problèmes. Pour t'occuper de ton ami. Chaque chose a son temps, Caris. Il finira bien par trouver un bon boulot. Cependant, si le club fait assez de recettes, je serai vraiment heureux de pouvoir le payer suffisamment et qu'on puisse continuer de travailler ensemble. Dis-moi. Pour demain, tu seras avec nous? Non, je ne pourrai pas. Désolé. J'irai avec mon mec chez mes parents pour le leur présenter. Ok. Dans ce cas, je te raconterai tout. Bien. À plus, Caris. Les malheurs ne manqueront jamais. Soyons donc toujours heureux. Chumbo keke tengue. Wopo apengan. Ouyama l'emtempe. Ouyama l'emtempe. Que le bonheur soit ton quotidien. Qu'il fasse beau. Ton cœur demeure paisible. Ouyama,
quinquagénaire, le calme qui vient après la tempête. Gardons foi et confiance. Oui, on m'a a été fait. Bravo. Si tu t'en souviens, je t'avais dit que ce n'était pas difficile du tout. C'était vraiment pas facile. Surtout que même après l'avoir fait, j'ai encore des questions qui me passent par la tête. J'aimerais vraiment avoir des réponses. Quelles sont ces questions? Je t'écoute. Si vous trouvez que quelqu'un est méchant et que vous décidez d'en finir avec lui, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même sur le fait que vous n'êtes pas paradoxalement le plus méchant des deux? Un acte peut s'avérer méchant. Mais quand c'est pour éliminer un méchant, il n'est plus un acte méchant. Vous m'aviez dit que Tignan m'utilisait pour s'enrichir. Mais à plusieurs reprises, le bailleur de la salle de sport a menacé de nous faire partir de là. Parce qu'il n'avait pas encore payé le loyer. Vous vouliez dire que il ne payait pas le loyer. Pourtant, il avait suffisamment d'argent pour le faire. Qu'est-ce que tu sais des mises en scène des humains? Il y a des hommes qui font la manche dans la rue. Pourtant, ils ont un compte bancaire plus fourni que celui des gens à qui ils demandent de l'aide. Puisque je suis plus intelligent que lui. Et maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que cela garantit ma visibilité au premier plan? En d'autres termes, est-ce que ces chances, ces différents talents vont désormais s'ajouter aux miens? Bon, il n'est plus là. Au moins, il ne nous casse plus les oreilles avec ses différentes activités. Et ses envies de faire croire qu'il connaît tout. Vu qu'il n'est plus là, est-ce que désormais je serai riche? Vous m'aviez dit que celui qui me maintenait dans la misère. Et aussi les belles femmes qu'il avait. Vont-elles automatiquement venir se livrer à mes bras? Et si c'était le cas? Cela me permettra-t-il d'avoir la vie éternelle sur terre? Bon, parlant des richesses, au moins tu peux rester avec la salle de sport. Tu peux vivre au même niveau que ce qu'il vivait. Et pour ce qui est des femmes, tu sais déjà qui est un propriétaire de la salle de sport. Elles vont te poursuivre. La vie éternelle, ce n'est pas sur terre. Sur terre, on profite au maximum.
Vous pouvez me dire comment s'appelait mon ex dont vous parliez? Est-ce que c'est important? Je pense. Puisque vous m'avez dit que Ting avait couché avec elle. Le plus important est qu'il ne pourra plus le faire. Tu as réussi à le tuer. Et tu as pu avoir ton pognon. Les bons comptes font de bons amis. Maintenant, je pense que nous sommes des amis. Et les amis ont mieux à faire que de parler des morts. Mais il y a un adage qui dit... Les morts ne sont pas morts. J'espère que c'est un montage, ce que je vois là. Bien sûr que non. Le montage, c'est ce que vous avez vu et entendu depuis qu'on a débuté cette vidéoconférence. Alors, ouvrez grand vos oreilles. C'est vrai. Stop. Mais, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Non, ne bois pas. Comment ça? C'est ma bière, pourquoi je ne devrais pas boire ma bière? Tu m'expliques? Je vais t'expliquer, mais à l'extérieur. Partons d'ici. Allons-y. Allons-y. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai été payé pour te faire la peau. Et par tentation, j'ai failli commettre la pire bêtise de ma vie. Je t'ai dit toute la vérité pour que tu me pardonnes du fond du cœur. Je ne sais pas comment j'ai pu arriver à ce niveau. En réalité, ils t'ont diabolisé à mes yeux. Et sincèrement, ça l'a impacté sur moi. Alors j'ai mis du poison dans ton verre. Ça va aller. On t'aime beaucoup. Surtout, pas de bêtises. Je vous aime aussi.
pleure pas, ça va. Ils m'ont payé une forte somme d'argent pour y arriver. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. J'ai compris comment le diable utilise les moyens au-delà de notre entendement pour manipuler les hommes. Écoute, Pierre. Merci. Merci. Merci d'avoir été très fort face à la tentation. Merci, frangin. Calme-toi, ça va aller. Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Bien que j'ai leur argent, ils vont le payer à ma manière. J'ai besoin que tu te couches et que tu fasses le mort. Je vais te faire des photos pour leur dire que je t'ai eu. Ce sera pour moi la livraison de la facture à payer. D'accord? D'accord. D'accord. Tu me fais voir les images? Décidément, tu m'obliges à utiliser des balles dans cette petite affaire. Tu vas me le payer en premier. Où que tu ailles, je te chercherai et je te tuerai. Sale vermine. Oh, j'ai bien peur. Au lieu de perdre du temps à me chercher, occupez-vous plutôt des invités que vous allez recevoir dans quelques minutes devant votre porte. Vous allez certainement adorer la visite. On dirait que la souris a reçu de la fumée dans son trou.
Ce visage, je le connais. C'est vrai ça? C'est le mec qui m'avait intimidé la dernière fois que nous étions au cabaret. Et il avait tenté de me faire du mal. C'est pourquoi j'étais si abattue lorsque tu m'as retrouvée dans les toilettes. Désolée, Jing. J'évitais juste de te mettre en colère contre lui. Puisqu'apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il nous suivait. Vraiment? Écoutez, vous n'allez quand même pas en faire tout un plat. N'oubliez pas qu'il est désormais comme notre papa. Et puis, papa nous a laissé une sacrée somme à partager entre nous trois. J'espère juste que cette somme suffira à couvrir nos besoins pendant les 25 ans que papa passera en dos. Ouais, tu as raison, Pierre. On oublie ça. Oh ouais? On va boire à notre amitié. Les vents ouverts, Caris, Pierre. Ouais. À notre amitié. À notre amitié. À notre amitié. Écoute, Chinyu, pour ce qui s'était passé, je te raconte tout depuis le début.